Oui, c'est l'aime. Allez, comme à tous mes très chers abonnés. Will you love me? C'est quoi cette voix? Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien en tout cas et que tout se porte bien pour vous et pour votre Mifa. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like traditionnel et le petit abonnement des familles si c'est pas déjà fait. Aujourd'hui, le kiki I love me, hein, c'est pas I love you, je te le dis. Parce que... Non, t'as oublié quoi? T'as oublié quoi sur la dernière vidéo? Ah, le floutage. T'as oublié quoi? J'ai envie de te taper. Quoi, fils de quoi? Fils de quoi? Fils de ta mère. Vas-y, viens. Vas-y, viens, bat. Je te cache, moi. Je rigole tellement t'es pas critique. Ah ouais, vas-y, regarde. Vas-y. Ok. Tu m'as dit, vas-y. Non, plus sérieusement. Non, ma fille. Tu mords pas. Non, tu mords pas, ma fille. Allez, mords pas pour moi. Allez, mords pas, maman. Parce que c'est pas pour moi qu'elle va mordre. Elle va mordre maman. Oh, à chaque fois, là. Sa mère. Sa mère. Aïe. Elle regarde, elle sait qu'elle n'a pas le droit. Aïe! Aïe! Allez, c'est bon, stop, ma fille. Stop, mon cœur. Allez, va au panier. Allez, va au panier, dépêche-toi. Bon, bref, en tout cas, les frères et sœurs, aujourd'hui, non, plus sérieusement, on est là pour quoi? On est là pour la vidéo de hier, Momo et Lia. C'est quoi? C'est Lia, comme d'habitude, n'oublie pas de mettre le lien en description. Vous allez aller voir la vidéo qui est en description. Hier, Momo et Lia m'ont filmé aux toilettes, en train de faire, bah, vous savez ce que j'étais en train de faire. Caca. Non, pas l'humo, c'est un, non, en train de faire caca, d'accord? Au calme. Jusqu'à là, je considère encore que tout va bien, parce que ils m'ont filmé, donc la vidéo, on pouvait la supprimer, dans tous les cas, où on pouvait faire quelque chose. Ma femme, elle me dit, bébé, sérieusement, on peut l'upload à la fin. Je dis, ah, mais non, bébé, tu vois. Elle me dit, oh, c'est marrant, t'inquiète, on floute. Je dis, ouais, tu floutes. Alors, en fait, Lia, elle a fait deux putains de montages. Elle a fait un montage avec la vidéo non floutée au départ, parce qu'en fait, elle a juste enregistré la vidéo. Et juste après, elle a refait la vidéo, elle a flouté. Et, je et en fait, attends, je vous explique. Non, je vous explique ce qui s'est passé. Attendez, mais restez bien jusqu'à la fin de la putain de vidéo. Attends, parce que je vais t'assassiner. Et je vais dire, heureusement qu'on n'a pas vu mon sgeg. On aurait vu mon sgeg, j'aurais été banni de YouTube. Non, mais attends, j'aurais attends. Été banni de YouTube. Non, écoute, il faut écouter ma version. Mais il faut aller voir la vidéo, bien sûr, pour tout comprendre. Mais vas-y, continue. Donc, je fais la version floutée que j'upload. Je décide de la sortir et je sais pas ce qui se passe sur YouTube. YouTube enlève le son de la vidéo. Vous avez vu d'ailleurs, vous êtes très nombreux à me dire sur Twitter, ouais tonton, pourquoi t'as supprimé la vidéo? Pourquoi t'as supprimé la vidéo? Et vous êtes très nombreux à me dire, la vidéo n'a pas de son. Voilà, donc en fait du coup, moi je vais sur Sony Vegas, je vérifie, je me dis, mais c'est bizarre, il y a le son sur Sony Vegas. Je regarde la vidéo dans mes documents et je vois que bah il y a du son. Donc je dis, bon allez, je la re-upload, puis je la sors à 18h. Et je re-upload la vidéo, je la sors. Finalement, en fait, j'upload la vidéo que j'avais pas foutue. Donc, je lui dis à ma femme, je lui dis ce que t'as fait, c'est très dangereux. Parce que, imaginez-vous, en fait, par exemple, hein, non, par exemple, attention. Par exemple, la dernière fois, vous vous rappelez, sous la douche, elle m'avait filmé au bout d'un moment et on a vu, quoi. Mais ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mis carrément une bande noire sur mon corps. Tu vois, elle a mis une bande noire, tu pouvais rien voir, tu pouvais voir que mon torse sur la vidéo, tu vois. C'est comme si elle m'avait mis un vêtement, tu vois. Mais le truc, c'est qu'imaginez-vous, elle aurait, sans faire exprès, fait un montage où elle aurait juste enregistré celle où je suis tout nu. Pour essayer de refaire le montage, mais elle aurait oublié. La vidéo aurait un bug, elle aurait upload la vidéo et elle se serait trompée. Je vais même pas essayer d'imaginer ce qui serait passé dans son YouTube en voyant un YouTuber tout nu. Là, c'est la catastrophe, hein. Ouais. Là, c'est la catastrophe. Oui, après, tu vas faire des vues, hein, ça c'est clair. Alors là, c'est clair que les vues, ça va y aller. Après, en fait, mais, moi, ça va, là, je suis bien parce que je me dis que la vidéo qu'on a upload, en fait, il n'y a rien de... Ouais, non, il n'y a rien de choquant, donc ça va. Non, mais ça va. Parce qu'en fait, tout à l'heure, je me dis... Là, en fait, quand Lia upload cette vidéo, faut savoir que je suis en train de faire une vidéo avec un pote dehors. J'arrive et je regarde Lia filme aux toilettes en train de faire caca. Bon, je me dis, putain, je veux voir quand même les commentaires des abonnés, ça va être marrant. Je regarde les commentaires un petit peu et vous me dites... beaucoup, il y en a qui me disent, MDR, vous êtes des tueurs dans cette famille, vous êtes des fous, nanana. Et je descends, tac, 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 je regarde les commentaires, mais je me dis, mais attends, pourquoi ils me disent quand même qu'on est fou à ce point-là, quand même? Je regarde un peu la vidéo, je la visionne, puis d'un coup, je vois qu'au début, c'est pas flouté. Je me dis peut-être qu'elle a oublié de flouter au début. Une minute, toujours pas flouté, deux minutes, toujours pas flouté, je dis, Lia, oui, mon cœur, tu sais qu'en fait, la vidéo, tu l'as pas floutée. Non, voilà, tu l'as pas floutée. Starfall, là, j'ai dit, la chouma. Et là, elle a pété de rire, les abonnés sur le TS avec nous, ils étaient pété de rire. Bref, en tout cas, c'était pas voulu. Normalement, dans la vidéo, vous aurez même pas dû voir mes cuisses, en fait. Vous aurez juste dû voir mon t-shirt. Et la vidéo était entièrement floutée, logiquement. Donc voilà, je répète, la vidéo qui est en description et la vidéo qui s'appelle Momo me filme aux toilettes en train de faire caca,
La vidéo était toute floutée, logiquement. À la base, oui, mais après, ça, comme j'ai dit, je suis rassurée parce que c'est pas une vidéo, voilà, enfin, c'est des cuisses, quoi, donc... Voilà, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Mais c'est quand même une posture assez malaisante, pour moi, en tout cas. Je suis désolé, hein. Mais encore, heureusement, parce qu'on est en France. On aurait été aux toilettes turques, ça aurait été notre affaire. Ah, la position toilette turque, déjà, bah, tu muscles. Déjà, t'aurais eu Kiki qui fend. Ouais, là, c'est Kiki qui pendouille. T'aurais vu un truc dépasser sous le pull. Eh, tonton, ton kiki, il a jeté un coup d'œil, hein. Elle aurait pas fouté comme une bongue. On aurait un petit truc dépassé en bas, là, une trompe d'éléphant, une petite trompe, là, dépassée. J'ai dit, ah, t'as juré, sérieux, j'ai pas flouté. Elle m'a dit, non, t'as pas flouté, j'ai dit, merde. J'ai eu flou de la mauvaise. En fait, j'étais tellement en panique, je me suis dit, faut que je la sorte. Elle me dit, là, elle m'a dit, ma femme, mais c'est rien, mon chéri, ils vont rien dire, les abonnés. Mais j'ai dit, attends, faut que j'en fasse une vidéo pour en parler quand même. Mais non, mais c'est rien. Je lui ai dit, mais c'est pas question de rien ou c'est grave. J'ai dit, mais attends, quand même, il faut que je leur dise quand même que t'es un spectacle. C'est un spectacle, cette meuf. Mais je vous dis, heureusement, les frères et sœurs, voilà, avec tout le respect que j'ai pour vous, heureusement, c'est pas une vidéo où on a vu ma tub, parce que vous l'auriez vu. Vous l'auriez vu. Alors là, ma chérie, oh, quand même, oh, sans faire exprès, t'aurais envoyé 2 500 000 abonnés valsés avec 1 milliard de vues. Oh putain. En une erreur. Oh putain. En une erreur. On aurait fait 400 000 vues en une heure au lieu d'en faire 100 000. Et on aurait pris un bannissement avec au moins 40 000 dislikes. On aurait fait 400 000 vues, on aurait dit, what the fuck, ça buzz. Waouh. Épisode 2. Bram, j'ai supprimé. Qu'est-ce que j'ai fait? Et là, je vois mon geek sur internet, je vois des photos Twitter partout. Je voudrais même des petits cours dans ce cerf, ils prennent mon front là et ils la mettent dessus. Là. Gros bâtard. Dans ce cerf, il a le fond. Oh putain, c'est quoi, j'ai mal. Waouh, j'ai mal à la tête. Oh, moi j'ai mal au ventre, wow. J'ai trop rigolé. Je vous dis, les gars, j'ai mal à la tête parce que juste avant on en a beaucoup rigolé déjà. Ouf. Elle était morte de rire, mais comme ça là. Comment elle rigole là. Putain, non, mais j'en ai mal à la tête. Bref. En tout cas, cette vidéo, cette vidéo n'aurait jamais dû sortir comme ça. Imagine juste un petit bout de couille qui sort. Ou dans l'ombre, parce que moi, ça l'avait mis dans le t-shirt. T'aurais vu un petit truc dans l'ombre des toilettes. T'aurais vu un petit truc. Imagine, on aurait vu ton cul dans le miroir derrière. Heureusement, le miroir, je l'ai témoin de ouf quand t'as fait la vidéo. Oh putain, mais qu'est-ce qu'on est con. Bon, oh, l'erreur, putain. Les gars et les filles, est humaine. L'erreur est humaine, mais non, il fallait que vous en rigoliez. Les erreurs sont marrantes. Hein, et je pense qu'il fallait que vous en rigoliez. Et surtout, bah, n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'hier. Hein, parce que bah, dites-vous qu'au final, elle aurait dû tout être floutée en fait. Vous aurez jamais dû voir mes cuisses et mes fesses sur le côté. Encore, ça va, on voit pas trop, on voit pas tes fesses, on voit tes hanches quoi. Ouais, mais vrai. Ouais, mais un petit peu quoi. C'est rien. Rien. Bref, c'était. C'était marrant. C'était marrant. Qu'on en parle, c'était marrant. C'était marrant, ouais, fallait que j'en parle. Ouais, fallait que j'en parle, mais pas laisser cette vidéo incognito comme ça sur la chaîne. Non, bref, en tout cas, voilà. Et franchement, ça va. Flouté, vous l'avez quand même. Enfin, non, flouté, vous l'avez quand même bien pris. Moi, j'ai dit à ma femme, floute-la, ouais. Parce qu'elle m'a dit, ouais, je la floute. Je dis, ouais, floute-la, t'es malade. Et franchement, pour eux. Franchement. Même moi, non, flouté, c'est pas sécrément. Franchement, je vous dis la vérité, vous m'avez surpris. Mais c'est ce qu'il nous a dit, un abonné sur le test, Zantar, que vous connaissez, et nous a dit, mais moi j'ai super rigolé avec cette vidéo, j'aurais pas rigolé autant si elle aurait été foutue. Non, vous m'avez surpris, vous avez pas fait les bâtards, vous avez pas tourné non, votre pas veste, du tout. Vous m'avez surpris, vous avez juste rigolé. Voilà, vous avez juste fait ce qu'on vient faire sur YouTube, vous détendre en fait, et dahak. Vous avez pas vu de cul, vous avez pas vu de zgeg, vous avez vu juste des cuisses, c'est un con qui est en train de faire caca, c'est ce qu'on fait tous les jours tous. Voilà. Et puis par contre, on voit pas souvent les gens le faire. Mais quand on voit quelqu'un le faire, même dans la famille ou quoi, bah c'est marrant. Mmh. On tape des grosses putains de caisses, tu vois. Bref, en tout cas, voilà. Juste prenez soin de vous, de la MIFA. N'oubliez pas de liker, de vous abonner pour plus de vidéos. Et puis voilà. D'ailleurs, ma petite dame, là, t'aimerais pas peut-être passer un petit message quand même pour ta chaîne YouTube pour... Parce que certains, je sais qu'ils savent pas que t'as lancé ta chaîne YouTube. Profite de cette vidéo pour lancer ton petit message, vas-y. Oui, donc j'ai lancé ma chaîne YouTube il y a, je crois, maintenant un mois. Il me semble que j'ai sorti 3 ou 4 vidéos sur ma chaîne YouTube qui ont bien marché. Elle est assez active. Je suis assez contente. Je cherche encore les horaires de la semaine ou les jours de la semaine pour sortir mes vidéos parce que je voudrais sortir juste 2 vidéos par semaine. Donc il faut que j'arrive. Là, c'est la pour période d'école. Il faut que je retrouve un rythme. Essaye d'en sortir une le dimanche et une le mercredi. Et pour l'instant, franchement, sa chaîne, elle est loin d'être affreuse, quoi. Sa chaîne, c'est vraiment 246 000 abonnés et elle fait à peu près, bah, la vidéo il y a 2 jours, 260 000. 102 000, 318 000, 190 000, 150 000. Elle en a même une à 669 000. C'est sa vidéo la plus populaire. Non, donc voilà, franchement, sa chaîne, elle marche de ouf, elle marche du tonnerre. Et elle fait vraiment ses vues de ouf. Voilà, c'est, j'en suis sûr que si demain, elle a 1 million, elle peut facilement faire les 500
600K par vidéo, j'en suis sûr. Elle a trop du potentiel. Les filles, en fait, elles ont trop de potentiel sur YouTube. Et surtout, quand elles spamment pas les vidéos, mais qu'elles font des bons petits concepts, et en plus avec leurs copains. En plus, leurs copains, YouTubeurs, grosse communauté, 2 millions d'abonnés, bientôt 2 millions 5, avec une communauté aussi forte que Superman. Et une jolie calvitie. Quoi, il y avait trop de qualité. Il n'y a pas de défaut. Il y a pas de... Dans ce corps, il n'y a pas de défaut. Mes abonnés te diront, il n'y a pas de défaut. Non, en tout cas, voilà, pour terminer, je suis très contente de ce que j'ai sorti en ce moment sur la chaîne et de retour qu'il peut y avoir, oui. Cette chaîne sera en description. Merci. Je suis vraiment très contente. Vraiment, ça me fait extrêmement plaisir. Madame, oui. Des fois, elle oublie la chaîne en description, donc si vous la trouvez pas... Elle est dans la subbox. Elle est dans la subbox. Ouais. Non, en tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui sont sur ma chaîne YouTube. Je vais finir parce que sinon, j'y arriverai pas. Qui sont sur ma chaîne YouTube depuis la chaîne d'Abdel. Oui. J'ai rien à dire. Attends, je finis. Ah là, j'en ai marre, ça va faire comme sur ma chaîne. C'est comme en classe, ouais. En classe, je levais tellement des fois la main qu'il y avait une technique qu'on utilisait souvent, c'est celle-là, tu vois. On tenait la main. Tu te rappelles ou pas cette technique? Oui, sinon, tu faisais ça. Tiens, sinon, on faisait ça. Ou ça. Enfin bref, voilà. En tout cas, merci à tous ceux qui sont sur la chaîne Game X13 et qui sont venus me soutenir sur ma chaîne. Ça me fait extrêmement plaisir. Je suis contente parce que j'aurai ma première accréditation grâce à ma propre chaîne YouTube pour la PJW. Est-ce qu'on pourrait te faire une vidéo de 15 minutes ? Mais voilà, au moins je dis merci et voilà, je vous donne rendez-vous soit donc du coup aujourd'hui, soit demain pour une ta gueule. Soit rendez-vous aujourd'hui, soit rendez-vous demain sur ma chaîne YouTube pour une vidéo. Oh, c'est ma chaîne. Je pense plus que ça serait jeudi que je vais sortir une vidéo. Voilà. Oh, t'es imposé de ouf là. Bah tu m'as dit de parler, j'ai parlé. Ouais mais tu t'es imposé de ouf. En tout cas voilà, chaîne en description les gars, n'hésitez pas à liker mes vidéos. Et celle d'Abdel. Oui aussi. Oui, celle d'Abdel. Non je pense, d'ailleurs non, je pense que je sortirai pas de vidéo mercredi mais je vais en sortir une jeudi. Ah, comment ça raconter ça, oui c'est un truc de ouf, ça dure. Donc jeudi rendez-vous sur ma chaîne YouTube, mercredi, franchement sincèrement je pourrai pas demain. Mais mercredi, on fera une vidéo. Elle fait la rebelle avec sa tête là. Ouais, comme ça. Bref, allez, ciao.